Holy Tout le monde sait. Quand je vois des vermines d'humains, je dois les crever. C'est une sorte de mission. Et maintenant, il doit te régler ton. Ok, on voit rien. Est-ce normal? Donc, je vois pas ton point faible. T'es une arme, quoi, c'est rien de plus compliqué. Niveau 18, ouais, y a rien de si compliqué. Enfin bon, après. Ouais, ça c'est. Il est nul. Enfin bon, c'est pas grave. Et le défoncer, mais bon, hein. Impossible. Allez, ça serait très pratique. Je vous le dis tout de suite. Je veux dire, dans mon setup, tout est allumé. Hein. Là, il y a aucune occasion, c'est tout est allumé. Ouais, mais il y a beaucoup de monstres ici. Quoi, ce bazar? Ah ouais. Ah, on peut faire des trucs là. Hein. J'ouvre tout au moins. Hein. Voilà, j'ouvre tout. Même si ça se voit pas, j'ouvre tout. C'est des pièges en fait. Attends. Ah, là il faut que j'ouvre, voilà, là c'est des pièges. Tu vois, dès qu'ils approchent des ennemis, bah j'ai des pièges. Pas besoin d'utiliser son arc pour détruire les cages. Tu peux détruire comme ça, rien en faisant Y. Tout simplement, c'est une compétence qui est très utile à la fois. Parce que les ennemis ne viennent pas dans les gros. Dans les grogues. La drogue de l'alcool. Donc ça sera l'autre. Donc il y a une embuscade ici. Ils sont à 4 et 4 Zoroq. 4 capitaines du coup. Et 2 capitaines à moi et 2 capitaines ennemis. Ils vont se battre ensemble. Et celui qui tue lui ou celui qui tue l'autre là qui va mettre en embuscade, bah moi je vais le dire aussi, donc ça va être pareil quoi. Mais il faut pas il faut pas un des deux qui le juste lui ne manque un point. Voilà. Il est en embuscade. C'est ce qu'on appelle un sandwich. Parce qu'ils sont deux quand même. Hein. Ils vont faire aucune pitié. Donc est-ce que quelqu'un est allergique à ça? Ah, terrifié, ouais, c'est ça, il a peur. Ok, bah il a gagné un point. Zakar l'imperturbeur. Il a gagné un point. Bravo à lui, bravo, bravo, bravo. Donc il est terrifié, moi ouais, je ne savais pas qu'il était terrifié, moi. Ses points faibles ne l'ont pas dit. Donc il a gagné un point et moi je dois le tuer. Là, par contre, il y a beaucoup trop vite qu'on a avec un Karagor. Hein. Non, il va beaucoup trop vite, il va s'échapper. Non, il s'enfuit. Ok, mais c'est pas grave, pas grave. Aucun mal à ça. Là, il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça, je dis. Voilà. Ok, là il y a un messager, pourquoi je l'ai tué je sais pas. C'était lui que je voulais tuer, mais c'est pas grave, pas grave. On va en chercher un autre. Pas grave. Niveau 18, mortellement. Ok, ok, bah il est faible lui. Ah ouais. Il est faible. C'est quoi ces vulnérabilités de ridicule? Non mais sérieusement, regardez. Attends. De toute façon, même si je l'avais pas tué furtivement, je pourrais le tuer au poison. Hein. Il était tellement facile, lui.
Ouais. Par contre, je vais avoir de l'équipement de merde ou pas? Non. À moins que non. On va regarder, mais bon. Je l'ai un ennemi. Concentration par recharge. Quand il est un ennemi. Ok. Je l'ai un ennemi. Quand votre courroux est plein. Waouh! Bah, je crois que mon courroux est plein et on va geler quelques personnes. Ouais, il est plein. Parfait. C'est magique. Mais non, mais je l'ai pas touché quoi. Sans deck. Eh, mais. Ah putain. Oh, mais. C'est une blague. Voilà, c'est bon. 3, c'est facile. Voilà comment on fait les petites missions comme ça pour améliorer ton équipement. Niveau 44 carrément, c'est bien, c'est cool. Alors moi j'aime bien le style, hein, bien sûr, j'adore le style. Donc quoi, là il est sombre là. J'aime bien tout ce qui est sombre. Y a pas d'autres trucs à améliorer ou pas? Ouais, terroriser un ennemi. Tirer 44, capitaine et embêté, marteau. Il faut terroriser un ennemi. Distance. D'accord. C'est juste dans un point. Un point. Je vous le dis, c'est rien, un point. Après, ça peut rattraper que l'amélioration, mais bon. Songez, j'ai ça. Tu as un ennemi quand. Ouais, ça c'est encore mieux encore. J'ai même remarqué, mais c'est encore mieux, quoi. Ah là. Dégâts crus, des flèches. Ça, c'est des flèches, ok. Apparemment, il transperce et gèle l'ennemi. Ça, c'est parfait, ça. Donc, je vais prendre ça. Le marteau, on l'a déjà vu, ce que ça faisait. Ah, je vous montre un peu de tout, hein. Ça, j'ai l'épée de domination qui nous donne avec le code à 12. 12, c'est ça, 12 chiffres. Ouais, je crois que c'est 12 chiffres qui nous donne. Avec 5 orques légendaires, je pense, je m'en rappelle plus, faut que je vois. Sinon, j'ai tout en ultra rare. C'est parfait, j'aime bien. Cool. Attaque, je l'ai quand même. D'accord. Ah, c'est d'accord. 14%, c'est rien. Enfin bon. Enfin bon. Quand on courait à fond. Oh, c'est pas mal le courant à fond. Parce que moi, je l'utilise presque pas du tout. Apparemment, quand ça soit des situations de type Z. Donc, il n'y a pas de quoi s'armer, quoi. Voilà. Oh, merde. Ah, là, c'est qui? Ok, c'est mon... Ok. Bon, et plus la musique qu'avec et derrière, c'est parfait. Je sais pas si vous m'entendez. Vego. Ouah, il est déjà froid, quoi, le mec. D'accord. Ah, enfin, un ologue. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça commence à se faire rare, tu vois. Proie des bêtes. Peux-tu s'en parler? Attaque de bêtes. Ok. Bah, parfait. Encore un ignore plus. Enfin. Le niveau 20, c'est qui, lui? Aucune chance. Et on a pas de points faibles. Oh, bah, c'est génial. Je veux dire, ah, et des dossiers là, oulala. Ok, on va faire renseignement, fais voir. Cible temps, bah, c'est parfait. Donc, c'est pas ici qu'on va être niveau 45, je vous le dis tout de suite, hein. Parce que ici il y a des faibles compétences. Bonsoir. Oui, il y a un repli, oui.
Waouh, mais le caracor qui me suit jusqu'à la mort en fait. C'est waouh. Eh, faut que tu te calmes toi, hein. Ah là. Donc, ça va beaucoup plus qu'à Caragor du coup. Je vous le dis, dans le 1, c'est du tout pas comme ça. Hein. Enfin, il n'agrippe pas sur les cordes et sur les... Enfin, voilà. Je pense que vous connaissez le 1, il faut aller voir mes vidéos pour savoir. Hein. Et il est non plus pas furtif. Donc, je vous le dis... D'ailleurs, je sais pas s'il faut que je fasse les DLC du 1, mais bon, je crois que c'est déjà passé, hein. Donc bon, je sais pas. Comme je m'en souviens plus du tout du 1, c'est vieux, c'est trop vieux maintenant. Pas pour moi, c'est trop vieux. Après, il y en a qui jouent, hein, mais c'est trop vieux pour moi le 1. L'ombre du Mordor, ceux qui connaissent. Bah voilà, toi t'es mort. Bah je crois que j'ai plus vraiment rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a des orques à mettre? Ouais, il y a des orques à mettre. Toi t'es épique, toi t'es légendaire. Toi t'es épique. Putain, j'ai que des épiques moi. Merde alors. Bon, à ceux qui prendront ma forteresse, aura du mal à le faire. Attends, je vais mettre d'ailleurs un. Toi t'es qui toi? Waouh. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une bête sur moi. C'était le chien. Allez. Toi, t'es quelqu'un de très bien. Attends, je vais voir tes trucs. Peur de la brutalité. T'es un sniper. Oh purée, t'es vachement fort en fait, toi. En fait, tu ne seras plus mon garde du corps, toi. Attends, je vais te mettre contre lui. Est-ce que moi j'aime bien les orques très très forts et qui... Ils sont bien tout seuls, tu vois. Hein. Les mecs, tu vois, enfin les orques, je les aime bien les toucher leurs points forts, tu vois. Et pas tout seul. Qui s'entraîne tout seul, voisin. C'est pour moi, c'est plus pour que qu'ils progressent. Pas mal la petite tombe. Y a-t-il un or... Enfin, oui, un ologue, c'est qui lui? Qu'est-ce qui fout peur des grogues? Oh purée, pourtant c'est un ologue, enfin bon. Peu importe, en tout cas, il a peur des grogues. Si le mec met des grogues dans la forteresse, il aura peur. Et il partira pas au combat. Bah, il faut réfléchir à ça aussi, hein. Les gens, s'il débarque avec un grog dans la forteresse, c'est foutu quoi, le mec il se barre. Et les autres seront tout seuls pour défendre quoi. Et ben, c'est à vous de choisir après. Lui c'est le mec tout puissant, il faut le battre pour avoir la forteresse, pour la conquérir en termes. Lui qu'est-ce qu'il a affronté? Ah, il va affronter lui, ok. Et lui il va affronter lui. Ok, bon c'est fait. Bon lui c'est le l'orc qui ne veut pas obéir. Qui est nul, mais bon. Il veut pas obéir, c'est Bruise. Je pense que vous avez vu aussi qui m'avait trahi. Bah ça on fera pas une vidéo là-dessus de toute façon. Donc à moins que si je vais peut-être vous faire voir Bruise prendre la forteresse, mais bon. Je sais pas si c'est une édition rare, mais pff. Brusque prendre une forteresse ennemie à lui tout seul. Imaginez. Il m'a déjà pris ma forteresse, j'imagine. Donc, toi. Ah, niveau 20, ouais. Par contre, lui, je vais pas le laisser tout ça, bien sûr. Et niveau 20, il est faible. Même s'il est épique, il est faible. Il faut pas envoyer les hommes épiques combattre des orques normales. Même s'ils sont normales, ils sont quand même forts. Hein. Même niveau 20 contre niveau 20.
Voilà. Peut-être demain que je vous ferai un rapport sur les vidéos que je vais faire. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Les nouveaux arrivants. Je vais vous faire un petit rapport demain. Bon, tout que je m'en souvienne, il faut que j'écrive tout ça. Ça va être... Ce qui a passé dans les jours suivants. On dirait des réserves, oui. Mais c'est du carburant pour notre machine de guerre. Personne ne touchera ce dépôt de mon vivant. On s'en va. Et pas besoin d'épargner ces crétins de garde. Ok. Donc lui, il a plusieurs leurres, mais ils sont pas très forts, les leurres. Mais en fait, lui, le capitaine, lui, il est blindé de chez blindé. Hein. Parce que c'est quand même un capitaine, quand même. Hein. Ces leurres, ils font un peu de dégâts, mais rien de plus. Le capitaine, c'est le capitaine. Hein. On peut pas changer le cours. Hein. Je vois qu'il se défend pas mal, mais comment il sait que c'est lui, en fait? Je sais pas. En tout cas, l'ennemi a gagné toutes ses troupes. C'est un peu chiant. Donc lui, il faut le tuer. Comme c'est facile à tuer à un niveau 20. Par contre, au Gondor sans doute pouvoir survivre. Ah ouais, ça j'aime pas trop ce truc là. Enfin, personne n'aime, hein, de toute façon. Ah ouais, en plus, il peut même réanimer les morts vivants, en plus, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est oublié. J'aime bien avoir quelqu'un qui fabrique des morts vivants. Toujours des troupes en plus, c'est magnifique. Hop là, dans ta face. On va changer un peu de musique, hein, vous trouvez pas? Attends deux petites secondes. Bien sûr, je vais encore mettre des musiques dans ma playlist, les musiques que vous aimez. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore, je vais encore en faire. Pour que vous puissiez de télécharger. Enfin, d'écouter des musiques en tout cas. Oups, voilà, ça va être ça. Non, mais non, c'est pas celle-là. Celle-là dure beaucoup plus longtemps. 9 minutes à peu près. Voilà, celle-là. Non. Voilà. Manga très connu. Hein. Alors. Ah, je l'ai, ok. Attaque de Karagor. Il y a de la lumière partout, oui. En plus, on est en pleine nuit, en plus, c'est magnifique. Là, dans une prochaine setup 2019, je vous ferai voir. De toute façon, ça sera de toute façon. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Waouh. Ok, bah ça va être un combat pas inédit. Différence de niveau, tout qui va mal en fait. Le premier qui me cherche des noix, je le balance au Karagor. Compris? Ouais, compris.
ces sales globes près des carbones. Ils doivent mourir. C'est un tueur de bêtes, lui. Moog. D'accord. En plus, c'est un tracker en plus. D'accord. Ah, il est embêté par la furtivité, d'accord. C'est un tueur de bête, ok, bon, ok, bah il a bien son titre en fait. Il a bien son titre, tant mieux, ça fait plaisir d'avoir des orques qui ont leur titre et qui peuvent tuer des bêtes, parce que j'en connais, hein. J'en connais qui ont leur titre mais qu'ils n'ont pas ça. Bon, en tout cas, qui se donnent le titre en tout cas, c'est un peu dommage. Alors pourquoi je les aide pas? Moi j'aime bien voir le combat, hein. Bien sûr j'adore voir le combat, surtout dans les phases de combat avec les alliés, enfin alliés contre alliés. C'est magnifique. Parce que moi j'aime bien les trucs de stratégie, l'ennemi qui... Voilà, oh putain, il a un coup de tête. Ok. Ouais, bon. Bien sûr, il pourrait le battre niveau 19, mais niveau 35 quand même. Hein. Eh là, il a... Et voilà, mon. Là, ils ont perdu, là. Littéralement, il a plus d'armée, là. Il a plus d'armée du tout. Ah, il s'est pris un piège. Mais c'est pas grave. Bon, il est enragé. Ouais, il est enragé. Enragé. Mais il est tout seul, le pauvre. C'est pas ses pièges qui le sauveront, en tout cas. Voilà. Ce fut la fin de... Glupk le Méphia. Et ben voilà. Ceci était prévu, chers amis. On va aller sur un autre château. Et moi je vais mettre quelqu'un quand même aux portes pour histoire 2. 34, donc lui va faire son truc tout seul. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça parce que j'ai pas pensé que j'allais faire ce truc. Ouais. Le truc, comment ça s'appelle, le truc, l'orque contre orque là. Qui se débrouille tout seul, les orques. Faut qu'il se déroule tout seul. Bah lui il a gagné. Lui il a fui. Bon. Si tu veux. Et du coup bah il est niveau 34. Ok. Bah je vais l'envoyer ici. Comme ça, ça meurt château, écoutez, hein. Et on va mettre les trucs ici. Alors là, je monte mon château et je devrais pas. Il y en a qui vont le détruire facilement. Arjette de feu, là, c'est beaucoup plus. Ouais. Je sais pas pourquoi on murait en bois, mais bon. C'est pas très grave. Ça, je peux le débloquer maintenant. Et ça aussi, purée. Bah voilà, j'ai deux forteresses à murer à fond. Ça fait plaisir. Franchement, y a rien à dire. Ça fait vachement plaisir d'avoir ça, quoi. D'avoir une forteresse upgrade à fond. Upgrade. Par contre, on doit prendre quoi comme orque? Parce que j'en ai pas beaucoup, l'orque, désolé. Hein. Lui, il m'a l'air très bien. Lui. Pardon, il m'a l'air très bien. Bah voilà, c'est bon. Maintenant, on va murer. Mine de feu, bien sûr. Tant rester au feu, c'est tant mieux, écoute. Là, on va mettre. Non, on va passer. Pyromane, archer précis. Parfait. Je sais que ça coûte tout ça, bien sûr, mais... forteresse,
Écraser les vrais tous les assaillants. Ça c'est pour ceux qui n'aiment pas les. Ouais, ça c'est pas mal ça. Voilà. Là j'ai une forteresse au petit top là. Là, y a rien à faire, on peut pas la détruire quoi. Bon, ceux qui sont devant, bah, c'est les plus terribles, hein, bien sûr. Ce sont les plus terribles. Malheureusement, lui, je vais améliorer hors vidéo, bien sûr. Hors vidéo, parce que c'est long quand même d'améliorer un orc. Il faut faire les combats, comment ça s'appelle là. Bon, je suis toujours ça à chaque fois, on va savoir. Comment s'appellent ces trucs là? Les forteresses de. Les fosses de combat. T'as larve, guerrier et champion. Et t'as les fosses de combat en une. Ça c'est pour les gardiens. Enfin comment s'appelle là? Les chefs suprêmes pour ceux qui veulent défier les autres chefs, mais